Écoutez, je crois que c'est le moment de... d'arriver au plat de résistance. Exactement, le plat de résistance ce soir en face à face. Nous avons Mick Wickfall and the Toxics. Bonjour Mick, bonjour Seb. Hello. Salut. Donc, un groupe qui a beaucoup d'actualité aujourd'hui. Donc, des concerts à venir, un album à sortir. Nous sommes très heureux. Là, on l'a vu en juillet, c'était Entropie, on s'est régalé. Et donc, on va en apprendre un peu plus sur ce groupe. Hello Mick. Hello. Yeah. You come from London, yeah. England. Yeah. And welcome in Marseille. Thank you very much. Thank you. Yeah. You're here since about 1 or 2 years. 1 year now. Been here. Yeah. Yeah. Oh, it's okay. You're a great traveler. You traveled a lot with all your band and just for your pleasure. Au fait, Mick est une personne un peu spéciale. C'est une personne qui a fait énormément de groupes différents en Angleterre. Il a commencé à jouer à 17 ans. You began to play when you were 17? 16, yeah. I started playing bass when I was 16. Yeah. It was bass? Yeah, bass first, yeah. D'accord, il a commencé par la basse. Yeah. You arrived in the music with the psychobilly? No, I started off playing rockabilly first. Ah, il a commencé à faire du rockab? Rockabilly first, and then psychobilly got fashionable in the late 80s, so yes. I went where the money was. Ah, il a commencé à se faire de la thune en faisant du rockab. So I could get plenty of work with psychobilly bands, you know. Yes. Yeah. And you played new wave too? No, my left. My hair. You skipped new wave. I haven't got the right haircut for that. D'accord. Il est pas allé du côté de la new wave. Il est resté rockab et après il s'est intéressé au psycho. Même au-delà du psycho, il a développé quelque chose de qui joint un peu les mondes du rockab, du psycho, c'est du rock and roll avec différentes influences. There are so many influences of your new music. Yeah. Well, it's Tom Waits, Elvis, and Tom Waits, Elvis, and some blues as well. Oh, yeah. It's a world, baby. Vous avez entendu Tom Waits, Elvis et qu'est-ce qu'on pourrait dire encore? Il y en a pas mal à citer. Donc c'est une musique qui est à la frontière de plein d'univers différents. Ouais, rock and roll. Ouais, très rock and roll quand même. Roll, yeah. Et extrêmement rock and roll with a double bass. With a double bass, with une contrebasse, puisque désormais Mick joue de la contrebasse dans son groupe avec les Toxics. Et il y a énormément d'énergie, so many energies in your music. Yeah. And I said you a special buddy because you had so many band in a few years ago, and so you traveled a lot, and with the new band the Toxics, it's we're doing a little bit more rock now. We're pushing not rock, but it's more, you know, we're trying to get away from it's a wide way to do rock, so we can play to a bigger audience really. If we just play rockabilly, you can't get much work. Oui, là ce qu'il disait, donc c'est une musique beaucoup plus puissante. C'est un rock de loulou, on va dire. C'est presque un côté brutal, on va dire. Un côté little bit brutal. In your face. Yes, in your face. Rock and roll with balls. Yes, rock and roll with balls. Donc du rock avec des boules. Je crois qu'on peut pas le traduire autrement. Avec des beeps. Avec des bips, exactement. Les enfants qui écoutent. Have to do a live beep. Yes. And so, on va écouter un petit morceau tout de suite. Qu'est-ce qu'on va écouter? What are we going to do? Une reprise des Undertones. D'accord, c'est une reprise des Undertones. On dit encore en ratisse large, quoi. Donc on a adapté un morceau des Undertones, qui est super connu. Je pense que la plupart de vos auditeurs vont le reconnaître. Excellent, merci Seb, donc le guitariste de Mick Wickfall. Si on a des auditeurs. On va écouter ce morceau qui s'appelle donc Teenage Kicks. Teenage Kicks. Teenage kicks right through the night. Come on, baby, I'm
c'était Mick Wakefall and the Toxic with, avec le morceau Teenage Kicks. Je mets de l'anglais au milieu du français, mais non, c'est l'horreur. Donc, merci donc, d'être venu ce soir. Bon apéro à tout le monde. On va parler un petit peu de votre nouvel album. We are going to talk about your new album, okay, which is incoming now. Yeah, it's coming out, I think, on the 15th. September, mid-September. À peu près mi-septembre, à peu près aux alentours du 20, donc il va sortir. Ouais. On pourra le trouver à quel endroit? And the songs we're playing today are from the new album, all of the songs. Ah oui, ouais. Donc tous les morceaux qu'on va écouter par la suite, donc on va essayer d'en écouter au moins deux, je pense, par la suite, viennent de ce nouvel album. Where do you record this album? It was in a place called Fréjus. It's a studio that Seb used to use. Fréjus, studio Coccinelle. Voilà. D'accord. C'est un studio à toi ou... Non. Ouais, c'est un truc, ouais, c'est pas mal de rock, metal et tout. Studio dans le Var. Il y en a un qui connaît. Tu m'aurais étonné. Il a travaillé là-bas. Seb a déjà travaillé avec eux auparavant. C'était avec Wirekid ou... Voilà, avec Wirekid. Parce qu'il fait partie aussi des Wirekid. C'est, je vous l'ai dit, un groupe très actif, très éclectique aussi. Donc, l'album arrive le 20, comment s'appelle-t-il? What's the name of this album? Mick Wakefall and the Toxics, that's it, the premiere. Éponyme, voilà. Donc album éponyme, Mick Wakefall and the Toxics. That's it, yeah. How many music? 13 songs. 13 comme à Marseille, donc c'est pas pour rien que t'es arrivé à Marseille. Toi, t'as fait l'album avec... The number plate. Number of the Mars. Of the Beast and Mars, ok. Yeah. Wonderful. Cet album là, vous allez le sortir, vous allez presque aussi les traîner pour les prochains concerts à venir. Donc for the next show you are going to do in France, you are going to play the new songs of this album. Of the album, yeah. And before there was another album. Yeah, it's about 5 years old now. It's quite an old one. Yes. But we still do a few songs from that album as well. D'accord. Donc là, c'est leur deuxième album. Ils joueront tout de même des morceaux de leur précédent album. C'est le premier album avec les Toxics. Ah oui, bien sûr. C'est le premier album avec les Toxics. C'était sur son propre nom. D'accord. Merci Seb. C'était important de préciser. Vous allez sortir ça en vinyle, en CD? Non, CD. This album's better. Ok. Et vous avez c'est autoproduit, c'est un label? On le sort en coproduction avec le Obenjis. D'accord. Ok. Bien connu. À Marseille, voilà. D'accord. Et aussi, tu m'avais dit un deuxième zozo. Qui c'est qui est pour les L'équipe du Obenjis, de KSM, Fab. Fab, voilà ça. Ça quoi. Ok, bah nickel. Et on espère l'avoir pour le 17 septembre, le concert au Trolleybus avec les Meteors. Ah oui, tout à fait. On parlera donc des dates à venir, dont une énorme donc au Trolleybus. Tu voulais poser une question. Attention, roulement de tambour. And you came in Marseille before. Yeah, you, yeah. You played. Quite a few times, yeah. I've been coming here for the last 20 years. Okay. But, basically, yeah. Tu poses la question, tu fais la traduction, hein. Ouais. Je lui demandais s'il était déjà venu, il avait déjà joué à Marseille. Ouais. Il a dit oui. Why? Why did you come? Why did you choose Marseille? Well, my wife's French. She's from Marseille. Okay. So I met her 20 years ago, okay. doing on tour. And then, after some persuasion, she came back to England with me. Il a ramassé sa gondole en concert à Marseille. She missed home a bit, so we thought we'd give it a try. Méfiez-vous des musiciens, je vous l'ai toujours dit. Yeah. Celui qui ramasse les gonzesses en général. Donc c'est une grande histoire. Donc, she followed you in London 20 years ago. Yeah. And now she, you came in came Marseille. Back. Yes, exactly. Oh. Yeah. So it's 20 years. 20 years there, 20 and years. And now you have to. I've got 19 to go. The next 20 years in Marseille. Donc ils ont passé 20 ans en couple à Londres et maintenant plus que 19 pour lui à passer à Marseille. Voilà. And after, maybe we will see. Who knows? For the next. Ok. Avant d'annoncer les concerts à venir, on s'écoute un autre morceau. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va passer le nom du morceau? She's Too Much For Me, c'est un original celui-là. Ah, She's Too Much For Me, original. C'est parti! To a party that Saturday night. All she's gonna do is start a fight. I
the other night. All she wanted to do is start a fight. She picked up her mates and that ain't right. All we did then was fight all night. She's too much for me. Voilà, c'était le morceau She's Too Much For Me du groupe Mick Wakefield and the Toxics. On accueille aujourd'hui Seb et Mick qui viennent nous parler de leur nouvel album et des concerts à venir. Donc Seb, là, si je comprends bien, vous êtes parti sur une vague de concerts à venir. Le prochain, justement, à la vague, à Sifour-les-Plages, donc c'est le 9 septembre. Ouais. Juste après, il y a du gros, c'est au Trolleybus, donc à Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas, mais quand même, à mon avis, ceux qui écoutent Grenouille doivent connaître le Trolleybus, c'est le 17 septembre. Il y a du gros, c'est avec nos amis des Devil Croquettes, mais c'est aussi avec les Meteors. Voilà, donc ça va être dans la salle de la Dame d'Or Disco, non? C'est une grosse affiche, je sais pas dans quelle salle ça va être. Sûrement, oui. Eh oui, parce que c'est l'ancienne salle rock. Ah oui, c'est l'ancienne salle rock, c'est à la droite, là, comme ouais, sur la première. Voilà, ouais, voilà. C'est oui, celle dans laquelle ils font toujours on se verra à la fin du concert. Je crois qu'on se verra là-bas. Tu restes après. Ah ben, après, il faut rester. You have to stay after the show, because it's a good disco club. Ah oui, the third part is this place. On a déjà joué, on a fait notre premier concert au Trolleybus au mois de février dernier. Oh yes, c'était à l'époque. Ouais. After the show, donc là, je conseille vraiment à tous les Marseillais de se ruer, je ne sais où, parce que là, pour l'instant, je vous préviens, les places se vendent quasiment sous le manteau. Dépêchez-vous, elles sont déjà toutes parties, quoi. En gros, il en reste encore, mais faut se dépêcher. Et des fois, sous le manteau, il n'y a pas que des places. Et des fois, sous le manteau, il y a des mauvaises surprises. Donc, faites gaffe, n'ouvrez pas tous les manteaux, évitez les parcs pour enfants. Donc, je vous préviens, après le trolleybus, donc. Oh yes, hey, c'est encouragé ici. Hein. Ah, un deuxième row, donc on est déjà une émission à 2 euros. Quelque chose de pour. Magnifique. Tard, peut-être. Plus tard, on verra. Attends, apéro sonore. C'est peanut and beer. Ah oui, cacahuète et bière. Ouais, 3. J'entends la France se déchaîner là. Oh, les gars, c'est on a senti la radio vibrer là. 19h30. Ah merde, on est une demi-heure trop tôt. Désolé. À venir donc le 9 septembre à Sifour, le 17 septembre au Trolleybus Marseille. Je vous encourage à vous rapprocher du Aubandiz et de tous les endroits que vous pouvez soupçonner d'avoir des places pour ce concert. Donc avec les Meteors et Devil Croquettes et bien sûr Mick Wakefield and the Toxics, notre invité. Et le 26 octobre à la Cigale à Paris, donc là, prenez le train pour ceux qui peuvent. C'est ça. Donc, the third show is à la Cigale. No, Paris. Cigale, Paris. Well, October 26. Ouais, yeah. Yeah, 26. It's okay. Yeah. So, donc, j'ai oublié avec qui vous jouez. Imeldame. Ah oui, voilà, Imeldame. Ça m'est marqué. Donc, un excellent concert encore à venir, et puis certainement encore beaucoup de dates, je vous le souhaite. Donc, pour terminer cette extraordinaire interview bilingue, trilingue et quadrilingue, où tout le monde a tout compris, je vais passer un troisième morceau qui s'appelle More of That Feeling. Oh, voilà, good English. Let's go. I find you so healing. I love it when you
love, it holds the key. I want your kisses every morning. Maybe stand by me. So look to above. It's what I'm thinking of. J'avais dit Me, Quickfall and the Toxics, c'est fatal. Donc on vient d'écouter le troisième morceau, on va se recommencer une petite tourne habituelle. Donc maintenant c'est notre ami Bruno Cross qui va revenir. Je remercie Mick et Seb d'avoir participé à l'émission. Merci, et on à, se toi, retrouve. Merci à vous trois, merci, merci à toute l'équipe. Et on se retrouve, oui, un petit mot. No, thanks very much for inviting us. Merci à toi. Cheers. Et on se retrouve peut-être le 9 septembre à Sifour, mais plus sûrement en tout cas le 17 septembre au Trolleybus. Je vous encourage vraiment à chercher peut-être du côté d'Aubandiz pour trouver des places ou je ne sais où. Ouais, je crois que c'est ça, non, c'est Aubandiz, ouais. Ok.